Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Marie-Laure has sent her sister on a wild goose chase. When Mireille returns, Robert tries to persuade her to join him in calling on Madame Courtois. It's just his luck that Mireille has already planned a trip to Chartres. Ever resourceful, Robert has a brainstorm. Could he join her? Le jardin du Luxembourg à Paris, par une belle journée de printemps. Il y a des fleurs, des petits oiseaux, il fait beau. Il n'y a pas un nuage. Ah, si, il y a quelques nuages. Un jeune homme, brun, assez grand, sympathique. Oui, il est plutôt sympathique, non? Est assis sur un banc. Il parle avec une petite fille qui tient un bateau. Ce jeune homme n'est pas français. Il est en France depuis 2 jours. Au loin, une jeune fille arrive. Tiens, voilà ma sœur qui revient. Bon, ben moi je m'en vais. Je vais profiter du vent tant qu'il y en a. Ouh, elle n'a pas l'air contente, ma sœur. Quand je lui ai dit que maman la cherchait tout à l'heure, c'était pas vrai. C'était une blague. Vous ne lui dites rien, hein? Mystère et boule de gomme. Merci. Au revoir. Au revoir. Où est Marie-Laure? Elle vient de partir par là avec son bateau. Elle m'a dit qu'elle allait profiter du vent tant qu'il y en avait. Quelle sale gosse, cette gamine. Elle disait que ma mère me cherchait, mais il n'y avait personne à la maison. Encore une de ces blagues stupides. Elle est impossible, cette gamine. Est-ce que... vous connaissez le Pays Basque? Ben vous, alors, on peut dire que vous avez des questions plutôt inattendues. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Je vois vraiment pas le rapport. Oui, je connais un peu. L'été dernier, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz. Autrefois, quand j'étais petite, nous allions à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. J'aimais bien Belle-Île, c'était tranquille. Il y avait moins de monde. On faisait de la voile, on pêchait des crevettes, on attrapait des crabes. Et quand il pleuvait, on jouait au portrait. On allait voir de vieux films. Mais ma sœur trouvait que c'était pas assez dans le vent. Je veux dire à la mode. Alors l'année dernière, nous sommes allés à Saint-Jean. C'est plus animé. Mais pourquoi est-ce que vous me demandez cela? J'ai envie d'y aller. Ma mère m'en parlait souvent quand j'étais enfant. C'était un très beau pays. Et votre mère, elle est là? Non, pas vraiment. Mais elle y a passé plusieurs années quand elle était enfant. Mon grand-père, le père de ma mère, était juge. Son premier poste a été La Rochelle. C'est pendant que mes grands-parents étaient à La Rochelle que ma mère est née. Puis mon grand-père est passé au tribunal de Bayonne, quand ma mère avait 4 ou 5 ans. Ils sont restés 6 ou 7 ans à Bayonne, je crois. C'est pendant qu'ils étaient à Bayonne que ma mère a rencontré cette Madame Courtois. En effet, elle est née au Pays Basque. Et ses parents étaient commerçants. Ils avaient un petit magasin de tissus en face de la cathédrale. Et vos grands-parents, où sont-ils maintenant? Ils sont morts tous les deux. Ils sont morts quand j'avais 9 ou 10 ans. Mais dites-moi, je pensais, je vais aller chez les Courtois demain. Vous n'avez pas envie d'aller les voir demain, par hasard? Puisque Madame Courtois est votre marraine. Non, demain, je ne peux pas. Je dois aller à Chartres. Voir la cathédrale? Je veux aller la voir aussi, un jour. Non, la cathédrale, je la connais. Je l'ai visitée au moins 5 ou 6 fois avec mes parents. Et autant de fois avec l'école. Demain, je dois aller voir une exposition. Dans un petit musée qui se trouve juste à côté. Est-ce que vous voudriez bien me permettre de... De m'accompagner? Oh, mais vous pouvez si vous voulez. Mais vous oubliez que demain, vous allez chez les Courtois.
Je peux y aller un autre jour. Après-demain, par exemple. Mireille ! Mireille ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis en panne. Tu es en panne ? Oui, mon bateau est en panne. Il n'y a plus de vent, il est au milieu du bassin. Il ne revient pas, viens ! Écoute, tu m'embêtes. Débrouille-toi. Viens ! Non ! Viens ! J'y vais. Mais qu'est-ce qu'elle est agaçante, cette gamine ! Tu te moques de nous? Non, 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 mon bateau est en panne, il est au milieu du bassin. Oh! Bah oui, il était là tout à l'heure, au milieu du bassin. Le vent est revenu, c'est tout. Oh, c'est tout emmêlé maintenant. Eh, débrouille-toi! Oh. Ce n'est pas grave, je vais arranger ça. Et voilà. Mmh. Eh bien, dis merci. Merci. Vous êtes trop gentil. Mais dites-moi avec tout ça, comment vous appelez-vous? Robert Taylor. Aucun rapport avec l'acteur. Et vous-même? Mireille Bello. Aucun rapport avec le poète. Quelle pédante, cette Mireille. Elle fait allusion à Rémi Bello, un poète du XVIe siècle, un peu oublié. Nous sommes au Luxembourg. Il y a des fleurs. Une fleur, des fleurs. Il y a des oiseaux. Un oiseau, des oiseaux. Il fait beau. C'est un beau jour de printemps. C'est une belle journée de printemps. Un matin, une matinée. Un jour, une journée. Un soir, une soirée. Un an, une année. Marie-Laure parle à Robert. Elle tient un bateau. Ici, elle tient un biscuit dans la main droite. Ici, elle tient un bonbon. Ici, elle tient Fido dans ses bras. Tenir. Nous tenons. Vous tenez. Ils tiennent. Elle tient. Tu tiens. Je tiens. C'est comme le verbe venir. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elle vient. Tu viens. Je viens. Ou revenir. Nous revenons, vous revenez, ils reviennent, elle revient, tu reviens, je reviens. Tiens, voilà ma sœur qui revient. Bon ben moi je m'en vais. Je vais profiter du vent tant qu'il y en a. Il y a du vent. C'est le vent qui fait marcher les moulins à vent. C'est le vent qui fait marcher les bateaux à voile. Quand il y a du vent, les bateaux marchent. Quand il n'y a pas de vent, les bateaux à voile sont en panne. Ils ne marchent pas, ils n'avancent pas. Il y a du vent. Marie-Laure veut profiter du vent pour jouer avec son bateau. Il n'y a pas toujours du vent. Il faut profiter du vent quand il y en a. Il ne fait pas toujours beau. Il faut profiter du beau temps pour aller au Luxembourg. Mais quand il ne fait pas beau, il faut profiter du mauvais temps pour travailler, pour faire ses devoirs. C'est l'opinion de Mireille, mais ce n'est pas celle de Marie-Laure. Écoutez. Il pleut. Tu devras en profiter pour faire tes devoirs de vacances. Non, je vais en profiter pour faire la sieste. Ah, c'est quand même plus calme quand les enfants sont au lycée. Oui, oui, ben moi quand ils sont pas là, vous voyez, j'en profite pour travailler un peu. Le monsieur profite de l'absence de ses enfants pour travailler. Mais Marie-Laure ne veut pas aller travailler. Elle n'a pas envie d'aller travailler. Elle n'a pas envie de travailler, elle a plutôt envie de faire la sieste ou d'aller jouer avec son bateau. Regardez Jean-Claude, il a envie de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ce soir pour dîner? Tu as envie de dîner avec Irina et moi? Mireille n'est pas contente. Ouh, elle n'a pas l'air contente, ma sœur. Mireille n'est pas contente. Regardez Marie-Laure ici. Elle est contente. Chouette! Il n'est pas content. Non mais ça va pas la tête! Elle n'est pas contente. Maintenant, observez ce couple.
Vous êtes content qu'on voyage ensemble? Oui. Non mais oui, oui, oui. Mireille n'est pas contente parce que Marie-Laure lui a fait une blague. Justement, maman te cherchait. Elle lui a dit que Madame Bello la cherchait. Alors Mireille est allée à la maison. Mais ce n'était pas vrai. Madame Bello n'y était pas. C'était une blague. Quand je lui ai dit que maman la cherchait tout à l'heure, c'était pas vrai. C'était une blague. Marie-Laure aime bien faire des blagues. Tenez, regardez. Regarde, j'ai attrapé un serpent. Ah ! Oh mon Dieu, tu es folle ! Lâche ça tout de suite ! Oh, mais n'aie pas peur, c'est une blague. Regarde, c'est un faux serpent. Ce n'est pas un vrai serpent, c'est un faux serpent. Tenez, regardez, ça, c'est un vrai serpent. Mais ça, non, ce n'est pas un vrai serpent, c'est un faux serpent. Attention, maintenant, ça va être un jeu. Si je dis que Mireille est brune, c'est vrai ou faux? C'est faux. Si je dis que Marie-Laure a un bateau, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Si je dis qu'il y a des fleurs au Luxembourg, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Si je dis qu'il n'y a pas un nuage, c'est vrai ou faux? C'est faux. Et quand Marie-Laure dit à Mireille que sa mère la cherchait, c'était faux. Et c'est pour ça que Mireille n'est pas contente et dit que Marie-Laure est une sale gosse, une sale gamine. Quelle sale gosse cette gamine? Elle me disait que ma mère me cherchait alors qu'il n'y avait personne à la maison. C'est encore une de ces blagues stupides. Elle est vraiment impossible cette gamine. Robert sourit parce qu'il sait que c'était une blague. Il change le cours de la conversation. Il pose une question inattendue. Est-ce que vous connaissez le Pays Basque? Mireille ne voit pas le rapport entre la blague de Marie-Laure et le Pays Basque. Eh bien vous alors, on peut dire que vous avez des questions plutôt inattendues. Pourquoi vous me demandez ça? Je vois vraiment pas le rapport. De même, quand Marie-Laure dit qu'elle a eu 10 en français à l'école parce qu'elle ne veut pas aller se coucher, sa mère dit qu'elle ne voit pas le rapport. Va te coucher, ma puce. Oh, maman, j'ai eu 10 à mon devoir de français. C'est très bien. Mais je ne vois pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Vous connaissez le Pays Basque? Mireille est étonnée. C'est une question bizarre. Le Pays Basque n'a aucun rapport avec les blagues de Marie-Laure. C'est une question inattendue. Tenez, regardez ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école? Mireille est étonnée parce qu'elle n'attendait pas Marie-Laure. L'arrivée de Marie-Laure est inattendue. Voilà une visite inattendue. La dame est étonnée parce qu'elle n'attendait pas cette visite. Ça aussi, c'est inattendu. Attendre, attendu, inattendu. Robert demande à Mireille si elle connaît le Pays Basque. Est-ce que vous connaissez le Pays Basque? Est-ce que vous connaissez la cuisine australienne? Vous avez essayé? C'est bon? La bouffe australienne, vous connaissez? Non. Mais regardez, Sonia sait qui est Antoine. Elle le connaît. Sonia et Antoine se connaissent. Sonia, mon ami Antoine Dutilleul. Bonsoir. Bonsoir. Mon ami est... Je sais fort bien qui est ton ami Antoine. Nous le connaissons déjà, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah bon? Vous connaissez. Et vous, vous connaissez le Pays Basque? Vous savez où c'est? Connaître, vous connaissez le Pays Basque? Savoir, vous savez où c'est? Vous ne savez pas où c'est? C'est dans le sud-ouest de la France. C'est en partie en France et en partie en Espagne. C'est un très beau pays. Il y a la montagne et la mer, des maisons basques, des frontons pour jouer à la pelote basque. Il y a des plages, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. En été, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. C'est très animé. Mireille trouve que c'est plus animé que la Bretagne. En Bretagne, il y a moins de monde, c'est plus tranquille. Saint-Jean-de-Luz est plus animé. Voilà une rue animée, une rue tranquille. Mais Cécile trouvait que la Bretagne était trop tranquille, pas assez animée, pas assez à la mode, pas assez dans le vent. Ces Bretonnes ne sont pas à la mode, elles ne sont pas dans le vent. Ces jeunes femmes sont plus dans le vent.
Ces jeunes gens sont dans le vent, mais cette jeune fille n'est pas dans le vent. Celle-ci est dans le vent. Maman, t'as un mec là ? Ces dames ne sont pas dans le vent. Ces gens ne sont pas dans le vent. En Bretagne, c'était des vacances tranquilles. On pêchait les crevettes, on pêchait les crabes. Robert a envie d'aller dans le Pays Basque parce que sa mère en parlait souvent. Le père de sa mère, son grand-père donc, était magistrat. Il était juge dans un tribunal. D'abord, il a été juge au tribunal de La Rochelle, sur l'Atlantique. Puis, il a été juge au tribunal de Bayonne. Les parents de Madame Courtois étaient commerçants à Bayonne. Ils avaient un magasin de tissus. Ils vendaient de la toile basque. Madame Courtois et la mère de Robert se sont rencontrées à Bayonne quand elles étaient enfants. Quand elles étaient enfants, c'est le verbe être. J'étais, tu étais, il était, elles étaient, nous étions, vous étiez. Robert compte aller voir les Courtois le lendemain. Il propose à Mireille d'aller les voir, elle aussi, puisque Madame Courtois est sa marraine. Elle peut aller la voir, si elle veut. Je vais aller chez les Courtois demain. Vous n'avez pas envie d'aller les voir demain, par hasard, puisque Madame Courtois est votre marraine. Mais Mireille ne peut pas, parce qu'elle doit aller à Chartres. Non, demain je ne peux pas, je dois aller à Chartres. Robert veut aller à Chartres aussi, pour voir la cathédrale. Mais Mireille ne va pas voir la cathédrale, elle va au musée. Un petit musée qui se trouve, qui est à côté de la cathédrale. Un musée, vous savez ce que c'est, comme le musée du Louvre, le musée du Petit Palais, comme la galerie Meck dans le Midi, par exemple. Elle va voir une exposition de tableaux. À Chartres, il y a une cathédrale et un musée. Tenez, nous allons demander à des Français s'ils connaissent Chartres. Vous connaissez Chartres ? Pas très bien, mais je connais bien sa cathédrale, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a à Chartres d'intéressant ? Belle cathédrale ? Il y a la cathédrale qui est très connue. Robert demande à Mireille s'il peut aller à Chartres avec elle. Est-ce que vous voudriez bien me permettre de... Mireille répond que Robert peut l'accompagner s'il veut. Mais vous pouvez si vous le voulez. Pouvoir et vouloir. Nous pouvons si nous voulons. Vous pouvez si vous voulez. Ils peuvent s'ils veulent. Elle peut si elle veut. Tu peux si tu veux. Je peux si je veux. Quand on veut, on peut. Ouais, on dit ça. Mais ce n'est pas toujours vrai. Je peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, tu veux pas. Est-ce que vous voudriez bien me permettre de... De m'accompagner ? Mais vous pouvez si vous le voulez. Mais vous ne devez pas aller voir les Courtois demain ? Je peux y aller un autre jour. Après-demain, par exemple. Si c'est aujourd'hui mercredi, demain, ce sera jeudi. Et après-demain, ce sera vendredi. Regardez Marie-Laure. Mireille ! Elle a un problème. Son bateau est en panne au milieu du bassin. Mais Mireille ne veut pas l'aider. Elle ne veut pas s'en occuper. Oh, écoute, tu m'embêtes, débrouille-toi. Regardez cette ficelle. Elle est tout emmêlée, tout embrouillée. Il y a un problème. Maintenant, elle est désembrouillée. Regardez ce monsieur. Il est tout embrouillé. Il a un problème. Maintenant, il s'est débrouillé. Il n'a plus de problème. Alors, je ne sais pas ce que vous avez et tout, il n'y a absolument rien. Très bien. Débrouille-toi toute seule, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais Marie-Laure ne peut pas se débrouiller toute seule. Aide-moi, je ne peux pas descendre ! Tu t'es débrouillée pour monter, et bien maintenant tu te débrouilles pour descendre. Maintenant, vous allez parler. Écoutez ce dialogue entre Mireille et Marie-Laure. Vous êtes Mireille et vous allez répondre à Marie-Laure. Mireille ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis en panne. Tu es en panne ? Oui, mon bateau n'avance plus. Il n'y a plus de vent, il est au milieu du bassin, il ne revient pas. Viens. Oh, écoute, tu m'embêtes, débrouille-toi. À vous maintenant. Vous êtes Mireille. Mireille ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis en panne. Tu es en panne. Tu es en panne.
Tu es en panne. Oui, le bateau est en panne. Écoute, tu m'embêtes, débrouille-toi. Écoute, tu m'embêtes, débrouille-toi. Écoute, tu m'embêtes, débrouille-toi. Mireille ne veut pas aller au bassin pour aider Marie-Laure. Mais Robert y va. J'y vais. Robert va au bassin. Robert y va. Il compte aller chez les Courtois le lendemain. Mais il peut y aller un autre jour. Je peux y aller un autre jour. Je peux aller chez les Courtois un autre jour. Je peux y aller un autre jour. Elle doit aller à Chartres. Il veut y aller aussi. Il a envie d'aller au Pays Basque. Il a envie d'y aller. Marie-Laure a dit à Mireille que son bateau était en panne au milieu du bassin. Oui, mon bateau n'avance plus. Il n'y a plus de vent, il est au milieu du bassin, il ne revient pas. Mais quand Robert et Mireille arrivent au bassin, le bateau n'est pas du tout en panne au milieu du bassin. Il est sur le bord. Alors Mireille croit que Marie-Laure lui a encore fait une blague. Elle croit que Marie-Laure se moque d'elle. Eh, mais tu te moques de nous ? Mais non, Marie-Laure ne se moque pas de Robert et de Mireille. Ce n'est pas une blague. Maintenant, le bateau est au bord du bassin. Mais tout à l'heure, il y a 5 minutes, il était au milieu du bassin. Ah oui, tout à l'heure il était là, au milieu du bassin. Maintenant, les fils du bateau sont tout emmêlés, tout embrouillés. C'est tout emmêlé. Mireille ne veut pas l'aider. Bah, débrouille-toi. Mais Robert va l'aider. Il est gentil, ce Robert. Ce n'est pas grave. Je vais arranger ça. Et il arrange les filles. Et voilà. C'est arrangé. Maintenant, Mireille va demander à Robert comment il s'appelle. Ça fait 2 jours qu'elle connaît Robert et elle ne sait pas comment il s'appelle. Vous êtes trop gentil. Mais dites-moi, avec tout ça, comment vous appelez-vous ? Ça, c'est le verbe s'appeler. Moi, je m'appelle Mireille, Mireille Bello. Et vous, comment vous appelez-vous ? Observez, cet enfant ne veut pas dire comment s'appelle son papa. Et ton papa, comment il s'appelle ? Tu ne veux pas me le dire ? Et toi, comment tu t'appelles ? Mais tu connais bien ton nom, quand même. En plus, il est muet. Je m'appelle, tu t'appelles, elle s'appelle... Il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, elle va s'appeler. Appelle, 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 appelons, appeler, appeler. C'est la même chose avec le verbe amener. Excusez-moi pour hier, mais je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. Elle l'amène, elle devait l'amener. Amène, amener. La jeune fille s'appelle Mireille. Le jeune homme va s'appeler Robert. Robert Taylor, aucun rapport avec l'acteur. Robert Taylor, c'est un acteur de cinéma. Un acteur français ? Non, américain. C'est ou c'était ? Il vit toujours ? Il est toujours vivant ? Ou il est mort ? De toute façon, c'était un acteur très connu, un peu oublié maintenant, mais vers 1950, il était très connu. Robert s'appelle Taylor, comme l'acteur, mais il n'y a aucun rapport. C'est une coïncidence, un hasard. Et Mireille s'appelle... Mireille Bello. Aucun rapport avec le poète. Rémi Bello était un poète. Il écrivait des poèmes. Il est né en 1528 et il est mort en 1577. C'est un poète du XVIe siècle. Victor Hugo aussi, c'est un poète. Il est né en 1802 et il est mort en 1885. C'est un poète du XIXe siècle. Rainer Maria Rilke aussi est un poète, c'est un poète allemand. Il est né en 1875, il est mort en 1926. C'était un poète du XXe siècle. García Lorca aussi était un poète espagnol. Il est né en 1899 et il est mort en 1936. C'était un poète du XXe siècle. Bon, voyons ce que vous savez. Voyons si vous savez distinguer le vrai et le faux. Ça, ce sont des fleurs. Vrai, c'est vrai. Ce sont des fleurs. C'est une belle journée de printemps. Faux. Marie-Laure travaille, elle fait ses devoirs. Faux. Elle tient son bateau sous le bras.
Marie-Laure va à l'école le mercredi. Non, mais ça va pas. C'est faux. Elle ne va pas à l'école le mercredi. Il n'y a pas de vent. Le bateau est en panne. Faux. Le père de la mère de Robert, c'est-à-dire son grand-père maternel, était commerçant à Bayonne. C'est faux. Il était juge. Oh, mais n'aie pas peur, c'est une blague. Regarde, c'est un faux serpent. Marie-Laure tient un faux serpent. C'est vrai. Elle tient un faux serpent. Victor Hugo était un poète français du 19e siècle. Vrai. Rémi Bello est un poète très connu du 20e siècle. Faux. Quel pédant ce professeur! Un poète du 16e siècle! Vous le connaissez, vous, ce Rémi Bello? Moi, je ne sais pas qui c'est. Il n'est sûrement pas très dans le vent, celui-là. Un poète du 16e siècle. Je ne vois pas le rapport. Oh là 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 là! Il me fatigue, ce professeur. Quel pédant! Moi, je m'en vais. Je vais faire la sieste. Vous ne lui dites rien, hein? Bon, j'y vais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, mon bâton! J'oubliais mon bâton. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Ah.